Bayern City, c'est pral yon méga match, yon méga test. Côté que c'est pral deux gros équipes football. Football entre deux gros équipes. C'est qu'on est là, l'heure dit deux gros équipes, ou vin pral en termes de histoire, City pa gen anyen pou louè avec Bayern. City pa gen joueur Bayern basé. City pa gen tradition Bayern. Parce que n'a parlé quand même dans l'équipe football qui gagne Ligue des Champions plurielle de City qui gagne un projet côté que des dizaines de milliards de dollars qui dépassent dans projet ça pour qu'on capable gagner une compétition. Pep Guardiola, légende que lié, mine de rien, dans un peu de monde qui peut-être oublié ça, Pep Guardiola a gagné une dizaine d'années là depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions. Et des anti-Pep, les gens disent que, ah, merci, je viens que merci, je vais gagner, je vais gagner la Ligue des Champions. Il y a quand même une certaine légitimité parce que depuis Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, etc., Pep n'a pas gagné la Ligue des Champions. Li fait 3 ans affilé côté que l'a fait demi-finale Ligue des Champions Real Madrid Barcelone Messia et puis Atlético Madrid a éliminé rivé dans City Tottenham éliminé Liverpool éliminé Chelsea champions sur lui gagné équipe football ça qui c'est équipe Monaco qui éliminé ça veut dire qui ça veut dire Real Madrid éliminé oui ça veut dire que ça on parlait quand même de yon équipe football qui c'est Manchester City, depuis le Pep lui-même libre équipe football, ça c'est vrai, c'est avec Pep qui font finale Ligue des Champions, mais yon poko gagné et Ligue des Champions. Kounye là, yon a joué contre l'équipe Bayern Munich là. Moi je crois que le combat qui est très clair, le n'a pas le football, nous devons garder et forme du moment, nous devons garder ce qu'a fait aujourd'hui. City était sous pratiquement 8 victoires, je ne connais pas Klopp. C'est une équipe qui jouer une vitesse de croisière lui peut-être dans bon moment. On a parlé d'une équipe qui te gagne en pile difficulté pour te jouer une vitesse de croisière lui et depuis un match contre Leipzig là ils ont battu Leipzig 7-0, ils ont battu Liverpool et passé sous Arsenal etc. C'est quand même une équipe qui commençait à rejoindre automatiquement que le pas gagné dans début de saison. Et nous avons dit ça aujourd'hui avec Rudy Thomas Sanon, qui est un ami, un beau partenaire, un conseiller. Des fois, on a posé peut-être moins une question. Qui est-ce que Pep Guardiola a cherché? Qui est-ce que c'est tête type? Qui est-ce que c'est tête calé ça? Tête calé, monsieur Kapkaze Piyo, non? Tête Pep, son tête calé, Gavinson. Nous disons tête calé, et pas peine, monsieur Kapkaze Piyo, mais on parle de tête calé. Qui est-ce que c'est tête Pep Guardiola comme entraîneur? Moi-même, moi connais que football mondial là bas en pile gros entraîneur. Bilal Goodman qui champion Ligue des Champions 61-62 avec Benfica. Nero Oko qui gagne les mêmes dit Nero. Et Nero Oko moi c'est pas seulement moi Nero Oko qui prend Ligue des Champions avec Milan 69 et le Noël 64-65 Trapattoni qui prend Ligue des Champions. Mourinho, Del Bosque etc. Pep fait partie du plus gros entraîneur de tous les temps. Comme il y a un argument pas, ou bien analyse pas, ou qui est pour, qui est le plus gros entraîneur, et qui est le plus gros entraîneur, qui est le plus gros entraîneur. Je ne vais pas faire débat, qui est le plus gros entraîneur. Mais moi-même, je me dis que Pep, pour te en pile imagination, pour te en pile bagage pour le football. Là. Par exemple, ce discours pour populariser latéral intérieur, nous, on connaît Bertini. C'est femme qui pique contre football en Haïti, ça va même doit faire débat. C'est femme qui pique contre football en Haïti et m'a demandé si c'est pas monde qui pique contre football en Haïti. On comprend parce que nous même nous non logique, n'a dit femme. Est-ce que Bertini en lui-même c'est pas monde qui pique contre football là? Moi même le Bertini n'a pas les football, n'a pas les tactiques. Ou mettre un bagon carré avec plume. Carré ma plume elle tourne en tête moi m'a mémorisé ça l'a dit. Bertini son maître. Et c'est bien malheureux que modèle de Mounzaro. Et c'est ça qui fait Jasmine Jefferson peut-être 40 vies de raison. Ce n'est pas mauvaise foi, elle dit qu'il est plus qu'un Real Madrid que Biden. Ce n'est pas mauvaise foi, ce n'est pas méchant. Mais c'est parce que les juger que bon série de talent, série de valeur en Haïti, ou pas de valeur. Eh bien, le fait que vous n'avez pas de valeur en Haïti, très souvent, c'est les États-Unis, Canada, il y a le prévaleur.
ou pas d'insister dans bagay ça, mais des fois, on comprend tout. Parce que position qu'on gagne, hein, c'est retour, ouais, jeune garçon, jeune femme qui a fait en Haïti, et puis il a touché 15 000 gouttes, 20 000 gouttes, il a kidnappé, il a demandé 50 000 dollars américains. Vous comprenez, non? Et Jefferson, dans son pays, nous casons déjà, nous casons l'OTAN. Pour lui finir la net sur les 10 dernières années. Donc, Bettini, son maître, le Bettini a parlé, c'est presque simple pour me dire. Il y a un bagage comme toujours à discuter avec Bettini, c'est latéral intérieur. C'est Alves propulse bagay ça, c'est avec Pep Guardiola. Côté que latéral yo vient en position de intérieur, yo combler espace, yo mettez supériorité numérique là au niveau du milieu. C'est certain, on regarder Barcelone avec Pep Guardiola et Andy City avec Pep. Nèg ki yo lié City, c'est des milieux de terrain. Pour créer supériorité numérique, technique dans le terrain. Mahrez est bon ailier. Mahrez c'est vrai capable de jouer ailier, il gon bon, mais Mahrez pas gain vitesse. Le Mahrez mon ballon à droite qui côté rentrer l'entrée dans axe et qui comportement gain pour se centrer. Grealish, joueur que nous devons garder dans son Villa, c'est un milieu de terrain, c'est pas un ailier. Maintenant, sur regarde City depuis quelques jours, City utilise quatre défenseurs centraux. Li jouer avec Ruben Dias, John Stones et Ake Akanji. Mais quatre défenseurs centraux yo, ou dit nek sa c'est des défenseurs centrales, mais attention, gagne wall sur terrain. Sous garde de City, City joue dans une logique de 3 4 2 1. On dit donc ça 3 4 2 1. C'est quand même une équipe football côté que ou gagné John Stones qui fait partie de quatre défenseurs centraux que Pep Guardiola a aligné. L'organe activité football City, John Stones en position de deuxième média défensif bon côté au lui. Et l'autre des joueurs excentrés en attaque, ou prend Riyad Mahrez, ou prend Kevin De Bruyne, ou prend Riyad Mahrez, pardon, ou prend et Tonton Sakye qui est le Grealish. Joueur ça yo, au moment que l'équipe City a même en position pour le défendre, joueur ça yo font un back pour yo vini des latéraux. Pas oublier équipe Liverpool là qui perd du contre City, hein. Il y a une action, Liverpool jeune pour mener 2-0. Qui est-ce qui descend très bas pour venir défendre contre ça là? C'est Tonton ça qui lui-même relé Jacques Grealish. Et des fois, Kevin De Bruyne qu'on fait back pour venir jouer wall de latéral droit, l'équipe City a pas gagné ballon. John Stone joue wall accompagnateur de média défensif City. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un entraîneur toujours fouillé zone dans Kalalou, son entraîneur toujours cherché. Sont en train de qui doit innover des fois li innover trop, tellement innover trop, li perd en finale Ligue des Champions de manière très ridicule contre équipe Chelsea, côté que li pas mettre Rodri, li pas mettre Fernandinho comme titulaire pour équipe football ça. Donc Pep Guardiola moi même personnellement on monde capable toujours pas fanatique entraîneur ça, mais faut accepter que monsieur son gros entraîneur méthode monsieur yo, des fois que monsieur voulait faire un bagage qui de trop, et tellement voulait faire un bagage qui de trop, qui comporte le préjudice perdu, Ligue des Champions, on parle de Pep Guardiola. Mais, ça qui est clair, si on regarde l'architecture, équipe et Manchester City, hein, nous avons constaté gagner 4 défenseurs centraux, mais sous garde tâches qui ont gagné dans le match football, là, ou capable de John Stones, l'accompagner, et jouer au football, ça, qui c'est au lui. Ou comme on dit, yon 3, 2, 4, 1. Ou comme on dit, yon 3, 2, 4, 1. Avec Rodri, avec John Stones. Ou gen Ake, Akanji ou Ben Dias. Rodri, John Stones dans l'animation équipe football là. Et vous gagnez Gundogan et Kevin De Bruyne, Mahrez et Grealish. Et puis en pointe là, ou gagnez Tonton Sak et les mêmes relais et Allen. Ou comme on dit, yon 3, 2, 4-1. Et l'équipe est en phase défensive. Ou gagne
des milieux excentrés ou bien des ailiers qui viennent en position de latéral droit et gauche pour créer supériorité numérique là le lap défendre parce que automatiquement deux milieux excentrés yo Grealish Mahrez qui retourne l'équipe lap défendre en position de latéral ou gagner trois défenseurs centraux qui c'est Ake qui c'est Akanji qui est en position de libéro ou bien Ruben Dias et Ruben Dias qui est en position de stopper ou libéro mais John Stones là lui accompagner Rodri devant défense là et avantage que monsieur gagne monsieur capable premier rampe de lancement n'a pas de Rodri parce que techniquement son joueur qui est très intéressant n'a pas de John Stones donc ça c'est réponse avec Joël Lamine hein que nous t'ai gardé et message monsieur le t'a dit qui ça John Stones a fait dans le Manchester City qui ça monsieur a fait terrain et bien moi bon exactement qui ça que Pep Guardiola lui-même il décide à faire j'ai toujours voulu fouiller zone Kalalou. On va l'article Real qui dit comme ça. Là, bien, mais fouillez dans le canal où ça contre Real Madrid pour Real Madrid manger. Tellement de gens dans Real Madrid. Bayern Munich. Moi-même, comment est-ce qui est très important, je vais parler de Bayern. Parmi les deux, gagner Choupo-Moting qui va jouer. Pour l'équipe football, ça, on a parlé de l'équipe et Bayern. Qui dit Choupo-Moting qui va jouer, je le dis, et qu'on est comme Mané. Pour le jeu match football ça et pour l'équipe Bayern Munich là. Moi-même, moi je fais partie de monde qui croit que voyez Nagelsmann aller c'est une erreur gravissime pour l'équipe et Bayern Munich là. C'est pas digne de City pour éliminer Tuchel. Par contre, comme avec une clé sous lui, pas aucun entraîneur, même soit football, qui gagne l'équipe football qui peut aller jouer contre ton équipe qui est le Manchester City une meilleure équipe qui gagne sous circuit à 15 jours de match City et puis on va prendre l'équipe là un joueur ou pas ou pas gagner à disposition de vous déjà ou pas fonctionner avec vous bon philosophie que l'équipe lui-même était gagné avant ou même comme entraîneur bah on a dit en son bagage qui gagne plus passé un an et demi que Nagelsmann lui-même a gagné Mounio. C'est vrai Mounio a gagné avec Nagelsmann. Mais pas oublier que l'équipe Bayern Munich, c'était la meilleure équipe européenne sous saison 2022-2023, lors de la Ligue des Champions. Parti sous base ça, je ne crois pas que Thomas Tuchel pral gagner tout automatisme pour être capable de mettre une équipe dans le style pâle sous pied pour Albert City. Kounye la, soit pour aspect traditionnel, moi dis nous ça déjà, si tu pas comparé avec Bayern au niveau histoire, Bayern c'est 74-75, Bayern c'est 2013-2001-2020, Bayern c'est Ballon d'or 70 avec Gerd Müller, 72-76 avec Beken, 80-81 avec Monsieur Sarah qui est même Rilly et Rummenigge. Ça veut dire pas une comparaison entre deux équipes de football. Ça. Par contre, je dis, hein, contrairement avec un pile ça en pile monde pensé m'pa croire que Bayern favori sur City. Il y a deux raisons qui expliquent que City favori sur Bayern. Un, moi senti que City jeune vitesse de croisière li sur le plan automatisme. On a parlé quand même de l'équipe qui était sur 8 victoires une goal à clock. On a parlé quand même de l'équipe qui joigne dans bon moment meilleure forme en série de jeux cadre. Pas oublier Kevin De Bruyne t'a fait bec à terre. Jodien là, monsieur a joué extrêmement bien. Pas oublier, Alan, il était son série là, côté monsieur, c'est goal sur goal la paix. Il fait 5 goals contre Leipzig, il fait 3 goals contre Burnley, il fait 2 goals contre l'équipe et football ça qui c'est Southampton. Ça veut dire automatisme là, alchimie, hein, connexion qui était un petit peu perdue depuis quelques temps, commencer à rejoindre et Kevin De Bruyne. Vinam joué extrêmement bien, joué plus bien que Jean lui-même était commencé dans le début de saison. Et l'homme parlait de l'équipe City qui jouait avec 3, 2, 4, 1, ou bien on peut changer de temps en temps, mais c'est un 3, 2 que lié, ou bien 3, 2, 2, 3, ou comme on dit n'importe quoi, je mais bon, il est très clair que l'architecture tactique défensive équipe City bien en pile équilibre. Ou pas j'en deux City en pile, son équipe City qui pas prend en pile goal dans l'intervalle 8 matchs en coulée à l'autre côté qui a gagné,
son équipe qui joue tout automatisme li dans l'intervalle 8 matchs là, son équipe qui gagne ça ou l'équilibre parfait dans le sens que Alchimie prend au niveau de l'attaque avec Kevin De Bruyne qui est une sensation, Grealish qui a joué extrêmement bien, Gundogan qui a joué très bien, et puis le mal de équilibre là, me parlait de comportement défensif que joueur équipe City ont même gagné, leur équipe City a défendre, le cas de Grealish qui est capable en position de latéral gauche, le City a défendre, les valeurs pour Riyad Mahrez ou bien Kevin De Bruyne qui c'est milieu relayeur droite équipe football ça, Mahrez qui c'est ailier droit équipe football ça. Donc sous garder équipe City hein, c'est une équipe qui est plus équilibrée que Jean Théé dans le début de saison.